La baguette, c'est toujours ce qu'on attend le matin en premier pour ses tartines et puis son petit déjeuner avec les croissants et le reste. Je m'appelle Guillaume et je suis boulanger-pâtissier. Je fais du pain pour le bonheur des gens et moi-même. J'entame ma 7e année, là, dont 2 ans de pâtisserie. Mais je suis revenu à la boulangerie parce que je préfère ça. C'est un métier difficile. Difficile pour les horaires, la famille, toutes ces choses-là, c'est... On vit à l'envers des autres. Boulangerie, c'est... Il faut vraiment aimer ça passionnément. Principalement, je cuis, mais... Je fais des pâtes, je suis apte à tous les postes. Il n'y a pas de problème. Non, je te les passe, mais plus chaud, c'est comme tu veux. La cuisson, c'est la finition du produit et puis c'est une étape que j'aime beaucoup parce que c'est là où on voit tout le résultat du travail précédent. De 2h à 4h du matin, là c'est du 100%. Quoi. Là, on est à fond dans le four, dans les cuissons. Et passer 4h, ça se calme un petit peu. Et après, on a des cuissons régulières. Le boulanger, il doit peser effectivement ses recettes avec précision pour avoir un produit régulier, pour que le client, quand il prend un produit d'un jour à l'autre, il ne varie pas. Quand moi je parle de mon métier, quand je dis tout que je suis boulanger-pâtissier, tout le monde dit « Ah, les bons gâteaux, les petits pains ». Et puis ça fait plaisir parce que on est reconnu. On peut comparer ça à de la pâte modelée, c'est toujours grand plaisir à façonner. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Une belle table dressée avec un beau pain, c'est... C'est super. C'est ce qui montre la qualité du repas qu'on va recevoir. J'ai envie de donner du plaisir aux gens. Je ne pourrais pas me passer de mon métier. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'ai. J'ai besoin d'avoir toujours un contact avec quelque chose, avec... Moi, j'aime mon métier.